Une vue est égale à un like, ceci n'est pas négociable. Salut tout le monde, c'est Broky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter, on va customiser et on va tester la D-Class Impaler SZ qui coûte 1 280 000 GTA dollars et qui n'est pas encore sortie. Du coup, je vous le présente en avance. Un véhicule que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il ressemble au véhicule qu'on a dans GTA 4. Donc, à voir ce que ça donne niveau customisation, mais à mon avis, ce sera un véhicule what the fuck parce que je me suis un peu spoil sur les customisations et j'ai vu que c'était pas vraiment ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est parti pour la customisation. Du coup, c'est bon, notre véhicule est custom. Du coup, j'essaie de le rendre quand même bien parce que c'est vrai que niveau custom, c'était vraiment pas top. C'est vraiment un véhicule fait pour être kéké. Je trouve ça dommage parce que sinon, c'est bon, on custom pas. On change juste les performances et la couleur, mais on n'a rien sinon à modifier. Mais bon, je vais quand même faire une custom. Du coup, j'ai tenté de faire quelque chose. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires. Du coup, c'est parti. On va tester le véhicule sans la neige pour voir ce qu'il donne. Et là, déjà, est-ce qu'il gère bien les drifts? Celui-là, pas du tout. Alors. Voilà, ce qu'on voit sur ce véhicule, il drift. Mais par contre, du coup, il tient super bien la route. C'est l'avantage. Et aussi, niveau performance, donc elle est full performance, là, c'est vraiment pas top. Je suis un peu déçu de ce véhicule, parce que esthétiquement, je l'adorais. Mais à mon avis, si je l'achète sur la PS5 et que je custom, je le laisserai tel quel. Je modifierai juste la couleur. Je mettrai une couleur noire sans rien modifier d'autre, à part les performances. Mais après, c'est vrai qu'il tient bien la route. Derrière, on a les roulettes, voir si le véhicule cabre. Et non. C'est que esthétique, elles servent même pas à grand chose. J'aurais dû mettre un autre diffuseur arrière. Après, il faut aimer, c'est le style bien tuning, le style qui vient bien avec le DLC Karmite. On va se tenter ce saut là avec ce véhicule. Oui, il le fait. Avec un atterrissage médiocre. Du coup, c'est parti, on va tester le véhicule, donc le 0 à 100 et la vitesse de pointe. Du coup, c'est parti pour le test. Ouais, niveau performance, c'est pas du tout ça. 130, ouais, c'est pas ça du tout. 150, 160, 174 km/h en vitesse de pointe. Donc franchement, c'est pas du tout ça. J'aime bien quand les véhicules tuning ils sont propres, mais là, c'est pas du tout propre en fait. C'est vraiment du tuning, mais vraiment kéké. Bon, chacun son style, hein, mais j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Avec la custom, vous aura quand même plu, mais bon, au moins, vous êtes au courant de ce que ce véhicule va donner. Donc, moi, je vous dis à demain. C'était Broky. Bye bye.